Yon l'autre fois encore, bonsoir tout le monde. Yon jour après, l'été arrivé dans le pays, star tennis mondial là, Naomi Osaka, t'es visité journée mercredi 7 novembre, centre sportif et de l'espoir Kishita, en route 9 et route nationale numéro 1. Yon équipe télévision nationale t'es sur place. Reportage Pierre-Miguel Pierre-Gilles, Emmanuel Aturin. Pendant visite officielle dans le pays a cap dire 4 à 5 jours, Naomi Osaka, américano-japonaise là, dont papa le si haïtien, visite centre sport pour l'espoir Haïtia qui chita col en route 9 à route nationale numéro 1, journée mercredi 7 novembre 2018 là, côté plusieurs centaines d'élèves d'école qui sortent tout partout dans la région métropolitaine là, Tevina Kei numéro 5 mondial là. Accompagné avec ministre Jeunesse Pro et Action Civique, Edwin Charles, directeur général du ministère Silla, Mario Florville, ambassadeur Japon dans le pays, Yoshaki Yata, Barbara Schwarzer, représentant du comité olympique international, président de la Fédération haïtienne tennis, Junior Etienne, champion US Open 2018, là, qui a assisté à un match d'exhibition qui était réalisé par la Fédération Naonel. Représentant lycée Jacques Ier dans Croix des Bouquets, Centre Sport pour l'Espoir Haïti, te offre cadeau à Naomi Osaka, sans compter en plaque d'honneur par Minisport. Naomi Osaka, t'es tenté de faire parler créole à responsable dans l'idée pour montrer attachement à la PIA. Ministre Jeunesse Sport et Action Civique là, salué et félicité par Naomi Osaka pour sacrifice fait pour lever une jeune fille qui fait fierté tout haïtien. En tant que responsable de la jeunesse, des sports et de l'action civique, pour nous encadrer jeunes nous au plus, ça pour interpeller nous. Une haïtienne qui de l'étranger, qui arrive champion dans US Open. C'est un bagage qui est comparable. On n'est pas obligé de penser ça. Mais c'est une réalité. Moi, je pense que j'ai dit à l'heure, ça doit interpeller moi-même comme ministre de la jeunesse et des sports pour que je ne pour que nous en Haïti pour nous aussi. Pour nous bailler l'encadrement qu'il nous faut. Et ça permet que nous gagnions des Naomi. Ça permet que jeunes athlètes nous capables à faire fierté pays à travers l'étranger, Jean Naomi fait. Visite là. Après poursuivre demain jeudi 8 novembre qu'a pointé là, côté championne Indian Wells à US Open 2018 là, a bien pour rencontrer président République là, Jovenel Moïse dans le Palais National, et puis un petit temps après, l'a bien pour le prendre direction Jacques Mel qui c'est ville natale, papa François Léonard, côté l'a bien pour visiter divers lieux sportifs et culturels dans la cité Alcibiade pour miracle là. Collaborateurs nous, Pierre Miguel et Pierre Gilles, t'es enregistré plusieurs réactions et après visite ça, l'été rencontré d'abord Barbara et Schweitzer, qui c'est et représentant CIO dans niveau et centre de l'espoir là, qui fait qu'on est, c'est un gros honneur pour y recevoir dans centre là, qu'aucun athlète ça. Entendez. C'est un événement unique. J'espère que c'est le début d'une série qu'on va recevoir des idoles sportives haïtiennes ici au Centre Sport pour l'Espoir. Et parce que c'est clair, le centre a comme objectif de gagner des médailles, et des médailles olympiques. Et nous sommes très très honorés de recevoir Madame Naomi ici dans le Centre Sport pour l'Espoir. Cette visite, vous dites quoi ? Que c'est un grand plaisir et nous sommes très honorés de recevoir une athlète de ce format, et la meilleure joueuse de tennis à ce jour ici en Centre Sport pour l'Espoir. Et c'est une inspiration pour toute la jeunesse ici au centre. Et vous savez qu'on a 500 enfants
tous les jours ici pour pratiquer le sport. Donc c'est une énorme inspiration pour toute la jeunesse qui est ici sur place, comme vous voyez. On a déjà des jeunes talents, des espoirs de tennis qui ont gagné plusieurs championnats. Donc c'est clair que nous utilisons le sport de la base pour détecter des talents et pour un jour gagner des médailles et pour Haïti. Et pour inspirer la jeunesse et aussi, comme le ministre a dit, effectivement, c'est une inspiration et c'est la fierté pour Haïti. Pour Junior Etienne, qui est président de la Fédération haïtienne et tennis, là, c'est un gros bagage pour les jeunes haïtiens visiter Naomi Osaka. Ils tout profité de Micro Télévision Nationale d'Haïti pour parler de programme qu'ils ont gagné pour camper l'autre terrain tennis dans le pays. À Naomi vini dans pays a vini ressourcer dans pays et papali et penser que côté que la une très bonne motivation et inspiration pour jeunes athlètes en général. Présence Naomi dans pays a capable booster jeunes ça va aller plus loin. Pense ça et du fait que Kalib Naomi et n'a pas essayé ouais que qui possibilité nous qu'a fait Naomi rencontrer avec Jamio pour que qu'a changé des idées et aussi pour que Naomi qu'a bayo vraiment pas coulé et fait le connaître que n'a pris rien qui facile dans le circuit et tennis professionnel. Président, qui est ça nous comptez faire au niveau de fédération pour que nous gagnions d'autres Naomi dans le pays? Bon, et pour yon nan premier bay yo à ce que vous connaissez que yon nan bay qui primordial pour nous c'est au niveau infrastructure à ce que vous connaissez que nous gagnons deux terrains déjà que nous fait fini au Cap Haïtien et pour et zone nord là et là maintenant on a passé ouais dans qui mesure nous ca ajouter d'autres terrains et aussi encadrer et moniteur tout et peut-être aussi le déplacement des jeunes à différentes compétitions et régionales. Pour match exhibition ça nous choisit les meilleurs. Bon, effectivement, Zasco Kawe, c'est les deux meilleurs au niveau de la catégorie des juniors. Et ou après, il y a deux, ou il y a mademoiselle et Richard Lynn François avec Tatou. C'est deux tiers pour nous qui, à l'âge de c'est 13 ans que nous gagnons. Et ça, c'est eux, bon, nous misons en pile. N'a traversé dans football pour nous dire que dans Cité Soleil, dans la commune et Fontaine, y'a pral campé deuxième édition tournoi football. Gain Evans et c'est tout qui c'est responsable et communication. Yon tournoi football qui a commencé et 15 novembre pour le fini et 19 mai 2019, 15 novembre de cette année. Et gain Evans c'est tout qui c'est responsable communication pour tournoi ça. T'as répondu question Joseph Gérard Junior aka Emmanuel Aturin. Objectif championnat ça c'est faire Cité Soleil vivre une autre fois encore faire le tournée gentil auparavant en ce qui a trait avec championnat interscolaire. Nous songe dans temps passé yo en la communauté Soleil était en série de pléiades de joueurs parfois des qu'on sortait dans l'école même mais quelques jours ça va pas répéter encore si n'a regardé de gain James Dorselis de gain Jimmy Sinlo ou des qu'on a joué Wilfried Montillas qui a sorti dans Christian Antelisma et Wilson Nixon Donis. Mais Kounia nous perdit et bagaille ça yo. Nous même nous te chita dans comité pour nous qui ça nous capable faire pour nous capable retourner avec tradition ça. C'est ça que fait nous te faire un projet pilote. L'année passée nous fait un championnat avec 12 écoles. C'était vraiment une réussite, c'était un succès. Pour année ça nous avons organisé championnat avec 14 écoles. Mais cependant nous te fait une invitation de gagner environ 20 écoles qui étaient chita ensemble avec nous pour participer au championnat. Via avec protocole, le principe qui gagne dans championnat, gagne 8 là dans yo qui désistait puisque
on nous dit qu'il y a 600 qui désistent, puisque il y a un principe vraiment, il n'y a pas répondre, j'en peux sur le protocole là. Nous-mêmes nous disons bravo, ça a montré en dedans commune, il y a des directeurs, conseil de l'école, qui montrent au sérieux, pas quitter ça en dedans, chacun avec nos problèmes, parce que le protocole là, il est très strict, fort élève là, en dedans l'école là, pour jouer au football réellement. Zinio Poto, qui c'est secrétaire général comité d'organisation et tournoi ça, a porté et plus précision, l'a fait connaître qui prime qui réservé à Gaïan yo et comment tournoi véritablement pour l'organiser. Toujours dans le micro et Joseph Gérard Junior et Emmanuel Aturin. Frais de participation que nous exigeons pour que l'école participe dans le championnat, c'est 7500 gourdes. Côté que nous avons une enveloppe tout qui est réservée ensemble avec l'école Cap Champion, qui c'est 25000 gourdes, plus trophée, plus médaille. Nous avons pour l'équipe qui a deuxième, nan, nous avons une enveloppe qui est réservée pour lui, qui c'est 15000 gourdes, plus trophée, plus médaille. Le championnat il a commencé 15 novembre et il a fini 17 mai 2019. Message, nous, c'est inviter tout le monde, que ce soit en deux communes, Cité Soleil, que ce soit en dehors comme une Cité Soleil, viennent supporter sa cap fête là. En dans Cité Soleil, il y a des jeunes qui intègrent, il y a des jeunes qui a pensé et nous demandons effectivement, en dehors initiative ça que nous jeunes en pile, félicitations pour lui, nous demandons pas arrêter loin, viennent supporter nous, viennent encourager nous la donne pour que nous capables jeunes dans la commune ont l'autre orientation.